Ah oui, cette salle. Il nous faut un autre moyen de monter. Ah, tu me parles? Je croyais que t'étais pas mon temps. Comme tu veux. J'apprendrai que si tu m'enseignes. Tu n'as pas besoin de mes leçons. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, et je voulais seulement la vérité. Où as-tu eu tes lames de feu? Pourquoi les cacher? Tu m'as dit que tuer un dieu n'était pas sans conséquence. T'en as tué un avec ses lames? Qui d'autre t'a tué avant Magni? Combien d'autres? Tu m'entends? Je t'entends, et je ne souhaite pas en parler. Ne me pousse pas à bout, Atreus. Bien. Mimir, bonne nouvelle. Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. J'ai plus rien à apprendre. Ah, félicitations. Derrière!
frère, attention. Je vois les signes de l'activité récente d'un dragon sur les murs là-haut. On a déjà tué ce dragon. Ah oui ? Et comment ça s'est passé ? Atreus. Comme tu veux. Qu'est-ce qui est écrit ? C'est écrit « Ne pas réveiller ». Je m'en moque ! On a tué des tas de choses dans cette montagne. À qui le tour maintenant ? Thank you.
Atreus! Comme tu veux. De vous aider. Bonjour. Bien sûr, je me sens soulagé. On n'a plus besoin de moi, hein. Je ne garantis pas la qualité de mon travail, cette fois. Oh, il daigne me laisser l'idée. Splendide.
voulez dire quelque chose? Non? Ils n'apprendront jamais, hein. Arrêtez, vous deux. Ce silence commence à être pesant. T'inquiète pas pour ça, on se concentre. Nous y sommes presque. Enfin. Atreus, la rune. Grave ce motif.
Jotunheim. On a réussi. Magnifique, n'est-ce pas? Je me souviens d'un jour où... Mon frère, attention! Je t'ai manqué. Cours, Atreus, traverse le pont! Je suis un dieu, moi aussi! Je peux t'aider! Lâche-le! Vraiment. Baldur, laisse-les partir. Prends-moi leur place. Je ferai tout ça. Voilà. Pendant tout ce temps, j'ai grand besoin de toi. Mais tu ne sers à rien. Finalement, c'est le garçon, le cerveau, hein. Sale petit merde. Ne reste pas là, Atreus. Oui, vas-y, l'avorton, fuis. Laisse papa faire tout le sale boulot à ta place. Lâche-moi! Calme-toi, tu n'es pas encore prêt. Je suis prêt! Atreus. Et moi qui pensais que ma famille était complètement tarée. Oh oh, ton père a raison, petit. Tu es loin d'être prêt. Dis, tu veux bien tenir ça pour moi, s'il te plaît? Merci. Atreus! Tu ne sais donc pas t'avouer vaincu! Touche! Ah! Ah! Mon fils! Yeah!
Quand le pont s'ouvrira, toute la colère d'Asgard s'abattra sur toi. C'est terminé. Vraiment. Soit. Banner ! Écoute-moi ! Laisse-moi t'aider ! Chaque fois, je suis toujours là, tu sais que je bouge pas! Maintenant, tu vas m'écouter sans dire un mot. Je suis ton père, et toi, mon garçon, tu n'es pas toi-même. Tu t'emportes trop facilement. Tu es imprudent, désobéissant et incontrôlable. Je ne tolérerai pas ça. Tu vas faire honneur à ta mère et revenir sur le droit chemin. Il n'est pas trop tard. Cette discussion n'est pas terminée. Nous sommes là par ta faute, Atreus. Ne l'oublie pas. Ouah, il fait froid. C'est ça, elle ? Ce n'est pas elle. C'est la pire partie de elle où l'on pouvait tomber. Je vois un navire. Emmène-nous là-bas. Ce n'est qu'à mi-chemin du temple de Tyr. Mais ça nous éloignera d'ici. Pendant plus de 1000 vies, le gardien du pont a empêché les vivants de venir ici. Mais tu lui as arraché le cœur et nous voilà. Quelle étrange coïncidence. Il a dit sur ma mère. Atreus. C'est pas moi. C'était moi. Mais nous sommes des dieux. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. Ne regarde pas, Atreus. C'est ce que j'ai dit à ta mère, juste avant de la prendre. C'était pas moi. J'aurais jamais fait ça. Ne ressasse pas ces pensées. Pas ici. Oui. Nous devons continuer. D'accord. Ted, qu'est-ce que c'était ? Elheim n'accueille pas que les anciens et les malades, les criminels aussi. Elle ne doit pas faire la différence entre nous et ceux que ces visions sont censées torturer. Comment arrêter ça ?
quitter elle, aussitôt que possible. Je me laisserai pas perturber. Comme tu l'as dit, Mimir, c'était qu'une illusion. C'était pas moi. Non. Mais c'est celui que tu es devenu dernièrement. Je sais qu'on est là par ma faute, mais je vais arranger ça. Qui que je sois. Je vais arranger ça. Toi, tu suivras mes ordres. Mais c'est pas ma nature. Il vaudrait mieux. Laisse-moi te concentrer. Que je vois Baldur droit devant.
Non. Je n'aurais jamais pu le savoir. Écoute. Tu n'avais pas le droit. J'ai tous les droits. Je suis ta mère. Tu n'avais pas le droit, sorcier. Je ne savais rien. Je ne sens rien. Je ne sais même pas la température qu'il fait ici. Les festins et moi sont flammes. Tu m'as tout pris. Tu n'y prendras jamais plus la douleur. La mort n'a pas d'emprise sur toi. Tu préférerais mourir? Que de ne plus rien sentir? Oui. Oui. Je préférerais mourir. Oui. Libère-moi, mère. Je ne peux pas. Je t'en prie. Je t'en prie, libère-moi. Ça ne marche pas comme ça. Je t'en prie. Mon fils. Fais-moi ton force. Plus tard, tu me remercieras. Tu me remercieras. Vas-y. Pourquoi nous l'avoir cachée, Tête? Si je te disais que ça m'a échappé... Je n'en crois rien. Oh, je suis confus. Je t'assure que je n'ai aucune raison de garder une telle chose secrète. Voilà le bateau. Nous en reparlerons... bientôt. Je suis rien. Quel âge. Je ne suis pas certain qu'il puisse naviguer. Il faudra. Et maintenant ? J'ai besoin d'espace. Thank you.
c'est fait. Mais n'oubliez pas, ce bateau ne peut que nous rapprocher. Le temple de Tyr est au sommet d'une immense chute d'eau et, hélas, nous sommes en bas. Même si nous y arrivons entiers, il nous faudra encore remonter la cascade. Les vannes ont construit le plus grand navire qui soit. Ils volent. Qu'est-ce Blasnir ? Oui, parce qu'il était conçu pour. Pas celui-ci. Peu importe. Nous n'avons que ce bateau. Nous ferons avec. Sur ce qui doit être le plus grand iceberg que j'ai jamais vu. Au moins, le feu nous réchauffe. Et maintenant ? Maintenant, les voiles sont libres. Regarde. Pas pour longtemps. Reste sur le bateau. De rester sur le bateau.
réalise que c'est fini? Même si l'on rejoint Midgard, Baldur et toi avez détruit la seule porte menant à Jotunheim. On ne peut plus rien faire. Et le garçon, il souffre mille morts. La tête lui tourne tellement qu'il est en train de... Atreus n'est pas ton problème. Il pourrait bien devenir le problème de tous si tu n'y fais rien. Pas besoin d'être l'homme le plus intelligent du monde pour s'en rendre compte. Atreus. Je peux t'aider ? Ensemble. On a réussi ! On est libre ! On va réussir à sortir d'ici. Affronte-moi, père ! Il est temps d'en finir! Oui, mon fils. Il est temps. Non. C'est encore cette voix. Est-ce que tu sais qui c'est? Je ne sais pas.